ferme ta gueule. Ton mépris, ton arrogance, ta suffisance, tes leçons de morale, tes explications mensongères, on n'en veut plus. On ne veut plus les entendre. Macron, ferme ta gueule. On en a assez de ta politique qui profite aux plus riches, à tes amis de la finance, qui nous appauvrit toujours plus de jour en jour. Macron, ferme ta gueule. On n'est pas con, on a compris que ta réforme des retraites que tu fais passer en force contre la vie de tout le monde est mise en place pour nous exploiter, nous rentabiliser jusqu'à notre dernier souffle. Sans oublier le beau cadeau que tu fais à BlackRock et ses fonds de pension. Macron, ferme ta gueule. On n'a pas oublié la répression de forcenés que tu as employée pour mater le mouvement de révolte des Gilets jaunes et qui est désormais utilisé contre tous ceux qui remettent en cause ta politique mortifère. Macron, ferme ta gueule. On est encore choqués des privations de liberté que tu nous as imposées pendant la crise sanitaire et du traitement que tu as réservé aux suspendus en les privant de salaire et en les empêchant de vivre dignement. Macron, ferme ta gueule. On est encore révoltés de voir comment tu continues à démanteler nos services publics pour mieux les privatiser, comme c'est le cas pour les hôpitaux. Macron, ferme ta gueule. Toi le premier de cordée, les gens qui ne sont rien, les illettrés, les gilets jaunes, les militants unis vont te faire chuter. Macron, ferme ta gueule, prépare-toi Jupiter, tu vas bientôt retomber sur Terre. Ça fait 3 mois qu'on y est, 3 mois. 12 journées de grève et de manifestations interprofessionnelles, une multitude d'actions organisées localement, des rassemblements, des piquets de grève, des blocages de ronds-points. Des millions de travailleurs et de travailleuses, de jeunes, de retraités qui sont mobilisés pour exprimer le rejet de la réforme des retraites portée par le gouvernement. Plus d'1,5 million de personnes étaient encore dans la rue le 13 avril dernier, alors que c'était le début des congés pour certaines et certains. Et alors que ça faisait déjà 3 mois qu'on y était, c'est vraiment le signe d'une crise sociale et démocratique inédite que traverse notre pays. Vendredi, le Conseil constitutionnel a censuré 6 articles de la loi. Le peu d'ambition qu'elle contenait pour l'emploi des seniors, le droit à la formation, la pénibilité pour les contractuels de la fonction publique, tout ça, ça a disparu dans le texte final. Alors qu'il était déjà injuste, le texte de loi qui reporte le départ à 64 ans est encore pire, il est encore plus déséquilibré. Le Conseil a aussi rejeté le premier projet de RIP. Enfin, alors qu'il avait la possibilité de ne pas la promulguer, Macron a choisi de promulguer illico presto la loi après le verdict du Conseil constitutionnel. À chaque fois, c'est la pire des alternatives qu'il choisit. Autant de provocations à notre encontre. Le message est clair, il est aussi méprisant. Pendant 3 mois, Macron n'a pas jugé que l'état du pays nécessitait une rencontre avec les organisations syndicales pour trouver des voies de sortie de crise. Aujourd'hui, il s'exprime à 20h à la télé pour tourner la page de ce projet vers de nouveaux sujets de discussion dans ses rêves. C'est nous qui ne voulons pas l'entendre. Ça nous est devenu insupportable. La France méprisée ne souffrira pas ces allocutions infantilisantes, provocatrices et mensongères. Non, ce n'est pas lui qui décide quand la page se tournera et ce ne sera qu'après l'abandon de cette loi injuste. Alors préparons ensemble un 1er mai exceptionnel, unitaire et historique et continuons les actions locales pour montrer que la page ne se tournera pas comme ça. Le gouvernement est affaibli, il est seul et nous on est plein. On est nombreux et nombreux. Alors on continue. Ensemble, on lâche rien. Au cours du 15 janvier, ce sont des millions de travailleurs soutenus par les jeunes et les retraités qui se sont exprimés pour le retrait de la réforme des retraites portée par le gouvernement. Nous étions jeudi rassemblés place de la Révolution pour attendre les réponses du Conseil constitutionnel. Nous n'avions aucune surprise puisque la décision a validé. En apprenant ces décisions du Conseil, l'expression des travailleurs était de la colère, aucune résignation. Mais nous sommes bien décidés à poursuivre la lutte. Macron a osé promulguer la réforme des retraites contre l'avis de l'immense majorité des salariés et de la population. Nous ne céderons pas
et nous disons non à ce recul inacceptable. Le combat doit continuer pour le retrait et nous ferons céder Macron et son gouvernement. Il voudrait passer à autre chose, accélérer les pires réformes dans l'éducation nationale, dans la santé, une loi travail pour nous faire travailler plus. Eh bien non, nous ne céderons pas. Nous appelons dès aujourd'hui à préparer des réunions d'information syndicales dans les entreprises, établissements, collectivités, des assemblées générales partout où c'est possible, dans l'unité pour décider de la grève générale. Non, nous ne nous résignons pas. La classe ouvrière est la plus nombreuse. Nous ferons plier Macron. Bloquons le pays. Arrêtons de produire la richesse et nous ferons plier le gouvernement. Tous ensemble. Macron, dictateur, ferme ta gueule. 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 Prise de parole se continue. Eh bien, je vais continuer, vous inquiétez pas. Ça sera pas long. Il n'y a plus de voix. Et je voudrais effectivement qu'on revienne sur ce slogan ô combien politique que nous venons de hurler ensemble pendant que l'autre, effectivement, nous continuait à bassiner les Français avec ses mensonges. Oui, il n'y a qu'une chose à lui dire aujourd'hui, c'est Macron, ferme ta gueule!